Elle est de retour sur les places de nos villages. Après une tournée estivale à succès l'été dernier, puis une autre hivernale il y a quelques mois, la Guinguette Mobile sillonne de nouveau les routes haut-marnaises. Ce soir-là, cette camionnette rouge des années 70 s'est arrêtée pour la première fois à Robert-Manny, une commune située à quelques kilomètres de Montier-en-Der. Pourquoi pas créer un peu du lien et faire de plus en plus connaissance avec les gens du village. Et c'est ce qui permet aussi de faire sortir les gens quand il fait beau à cette époque-ci. Portée par l'association 1000 Cafés, en partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée, la Guinguette Mobile a pour mission d'apporter un bar dans les villages où ils ont disparu, ainsi que des moments de convivialité. C'est un projet qui est fait pour rassembler les habitants d'une même commune ou des communes voisines autour d'un café pour recréer du lien social, revivre un peu l'ambiance des bistrots d'antan qu'il n'y a plus aujourd'hui. Cette buvette éphémère anime les places des villages de moins de 3500 habitants et rassemble à chacune de ses escales des centaines de personnes autour d'un verre. Et bien sûr, les produits sont essentiellement locaux, à l'instar de la bière qui est produite par la brasserie du DER. On adore le concept, on adore leur démarche et leur façon d'aller au plus près des gens qui n'ont pas toujours le courage de sortir de chez eux, d'aller prendre la voiture, aller à Saint-Dizier ou à Montier-en-Der ou ailleurs. Et du coup là, ils n'ont pas de voiture à prendre, ils sortent et ils prennent un petit châle, une veste, leur monnaie, ils vont boire un coup, manger une frite. C'est super, en plus il y a un bon concert ce soir, donc nous, si on peut travailler dans des conditions comme ça, avec des gens comme ça, au plus proche de chez nous, c'est génial, c'est parfait. La Guinguette Mobile poursuivra son périple sur les routes marnaises, haut-marnaises et auboises jusqu'en septembre prochain. Prochain arrêt, ce soir, à la salle des fêtes de Louse.